Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre le caricaturiste d'Iran Ajemian. Né en 1904 à Alep et décédé en 1991 à Beyrouth, il fait ses premières armes dans l'hebdomadaire satirique d'Istanbul, Gavroche. D'Iran Ajemian s'installe au Liban en 1926. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, il est dessinateur à la compagnie du port de Beyrouth, puis au service hydraulique et électrique. Sa plume marque une trentaine de titres, parmi lesquels L'Orient, Al-Jarida, Le Nahar, Le Soir, La Revue du Liban ou Magazine. En contact avec l'étranger, où il est apprécié, il livre des productions dans L'Étape, En Route ou dans Le Canard Libre. Sa pratique popularise le dessin satirique. Elle souligne les contradictions de notre société. D'Iran Ajemian décrit la mutation du Liban de province ottomane au mandat français jusqu'à son indépendance. Il signe de nombreuses allégories représentant sous forme humaine une idée ou une institution. Malgré les sollicitations extérieures, il refuse de quitter le Liban et couvre activement la Seconde Guerre mondiale. Il crée dans le journal Dabour son personnage rusé, Abu Tahanos, et dans les colonnes du soir, son personnage féroce, Rantouz. Observateur avisé de la vie politique libanaise, l'artiste en saisit les travers avec mordant et bienveillance. Son habileté et son talent lui éviteront des poursuites. Mieux encore, les hommes politiques apprécient son coup de crayon. Le dessinateur livre une série pourtant caustique de portraits de personnalités libanaises. Il use parfois de zoomorphismes représentant des êtres humains sous forme animale, usant du dessin comme la fontaine de la fable. Amoureux de théâtre, il joue et il assure de nombreuses mises en scène. D'Iran Ajemian illustre plusieurs livres. En 1956, il est distingué par la médaille de l'Éducation nationale des beaux-arts. En 1961, l'artiste tient sa première exposition individuelle à la galerie à l'Éco-Saab à Beyrouth. En 1965, il participe à l'exposition commémorative du 50e anniversaire du génocide arménien. Sa marche des déportés vers la mort est conservée aujourd'hui au couvent Saint-Lazare de Venise. D'Iran Ajemian expose ses œuvres au Liban, en Arménie, en Iran et en Syrie. Le 15e salon d'automne du musée sur Soc lui rend hommage en 1991, année de sa disparition. En 2016, l'université de Balamène publie l'ouvrage d'Iran Caricature. Sa fille Sylvia Ajemian publie en 2017 d'Iran Caricaturiste. Le livre présente 250 œuvres de l'artiste, car oui, le dessin satirique, né pour ce qui concerne la région en Égypte en 1877, est l'art de la disproportion, de la réflexion et de l'exploitation du mécontentement. 5 de pique vous présente le portrait de Cheikh Boutrous El Khoury. Cette encre de Chine a été réalisée par D'Iran Ajemian. Elle appartient à la collection du musée privé Émile Hanouch. Traditionnel portrait en charge, l'artiste amplifie les caractéristiques physiques comme métaphore de son intention. Originaire de la région de Zrarta, son modèle était doté d'une puissance monétaire et d'une aura incontestée. Cheikh Boutrous El Khoury était le président de la Banque du Crédit Agricole Industriel et Foncier et proche du président de la République Camille Chamroun. Le personnage est vêtu ici d'un complet classique. Sa coiffe traditionnelle et son chapelet complètent sa tenue. Le portrait déforme pour mieux dénoncer un clientélisme globalisé. L'artiste a surdimensionné son sujet pour mieux l'atteindre. Ses sourcils épais, foncés, ses commissures marquées ou son regard fixe sont symboliques. Ils marquent l'imposante personnalité du modèle. Cette simplification graphique aborde plusieurs registres satiriques. Elle fait réfléchir tout en divertissant. L'humour sert une image qui amuse et fustige.
Cet art de l'excès a permis à Diran Ajemian de traiter de tout par une expression volontairement chargée qui ne rend son message que plus fort. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art, dont la dimension satirique raconte aussi l'histoire.